réacteur. On verrait que ce soit les embrouilles. Hostie ? J'ai jamais dû revenir ici. Est-ce que tu fais Rosie, relâche-le. Est-ce que tu sais combien de soifards ont été blessés en le capturant, Stavros? Maintenant, il n'y a plus qu'une pile dans mon armure et je suis assez forte pour pousser votre espèce. Comment mentir? Avec toi, j'ai besoin de quelqu'un pour désactiver ces maudites machines. Et ça construite pour tirer le pouvoir de ma dissérie à fusion. C'est terminé. Et toi, va me donner tout ce dont j'ai besoin pour contrôler les miens. Parce qu'il éviter de pousser à fait. Ils n'ont plus aucune raison de partir d'ici. En sécurité, ils vont me respecter comme je le mérite. C'est donc ça que tu voulais dire, quand tu disais que les soifards sont dingues et dangereux. Dans le monde, le réacteur est basé sur une technologie vectron instable. C'est toi qui est instable, je suis aux commandes. C'est folle. T'sais. Les embrouilles. Oula. Je regarde ce qu'il y a à faire là pour son armure. Là, je vois pas ce que je veux faire. Sauf que je me suis fait un petit peu arnaquer là. Et putain. Ah. Mauvaise idée, hein, de se mettre dans un coin. Et... Ok, là c'est le méga mode vénère là. Et je trouve de la vie, c'est maintenant.
J'ai de la chance, j'ai de la vie direct là. Faire ta vie, tu vas bien. Jeff. La cause de tension à son maximum. Rusty, docteur, il est sur le point d'exploser. Oh non, on va tout détruire. Tu vas sortir d'ici. Oui, ça, on va se sortir ensemble. Et ces choses sont complètement détraquées. Viens d'ici tant que c'est possible maintenant. Fais des preuves, Sherman. On doit rentrer en ville tout de suite. Allez, on est avec Rusty le clown. On peut partir. C'est possible. On va le faire. Ah, vite. Ah. Non, je vais mourir. Je vous écrase devant moi. Vite. Allez, fais, on doit vite partir. Nous n'allons jamais rentrer en ville comme ça. Mais je peux vous faire sortir d'ici à la temps. Pas dingue, je suis sacrifié pour nous. Il est hors de question de te laisser ici. Je peux te sortir avec nous. Pas le temps de discuter, il n'y a pas d'alternative. Venez ici tous les deux, maintenant. Mais non. Mais je vais revenir pour toi. Je sais. Vas-y maintenant. Ah. Un de ces jours de... Ah oui, c'est la merde, David, là. C'est loin de s'en aller, madame. Et tous dans la fusée. Ah, hors de mon chemin, les merdes et les bibibottes d'abord. Désolé, je vais aussi vite que possible. Du calme, à la fois, mettez-vous en ligne, c'est compris. J'ai besoin de faire une ligne, je dois rentrer dans la fusée avant que tout s'effondre. En tant que la paix, fils, il y a encore des bottes dans la mine, on ne peut pas les abandonner. Schoenberg est prêt à lancer la fusée, mais je peux retarder le lancement d'une minute ou deux. Là, nous devons décoller. Exactement, très bien dit, monsieur Bernard. Alors il lui a pris sa place. Moi j'ai rien dit moi. À tous mes boulots. Ah, tu vois là ma petite, je suis âgé que tu sois en un seul morceau. Bien joué, j'avais peur que tu te sois perdu. Je vois que tu as retrouvé le mineur à l'écharpe rouge, mais où est ton ami lumineux? C'est une longue histoire, je dois... Bien sûr, est-ce que tu sois en bon état? Je dois te faire rappeler que nous n'avons plus le temps. Comment d'abord, vite! Il t'en voulait pas de découvrir les étoiles, vers l'infini au-delà! Ah voilà. Mordic 3 sera dans les étoiles. Ah, ça se finit comme ça, bah d'accord. Et va bien jouer. Des bisous.